Bonsoir, c'est parti. Alors, avec deux invités. Alors, le monsieur qui se trouve à ma droite, Anselme Beau. Anselme Beau, qui est de Morzine. Alors, moi, je présente souvent parce qu'il sait, j'étais très ami avec son beau-père. C'est le gendre de Jam Couté. Mais Anselme Beau, professeur à l'ENSA. Alors, j'ai pas toutes les années de l'ENSA. Excuse-moi, Anselme. Alors, j'ai commencé en 74-75, jusqu'en 2008. Spécialiste pas mal sur du gaz, comme on dit chez nous, hein, la pentraide, oui, entre autres. La pentraide, bon, pour la technique et tout ça, et puis aussi comme prof de guide et de moniteur, c'est-à-dire de la technique du ski, bien sûr. Et puis aussi comment faire quand on est moniteur, quand on devient moniteur et quand on devient guide, parce que c'est pas suffisant d'être très bon en technique, mais il faut être aussi assez bon en pédagogie et la façon de guider et d'emmener les gens en sécurité. C'est ça le gros atout qu'il y a à l'ENSA. Il faut former les guides et les moniteurs pour avoir bien sûr des bons résultats en technique, mais surtout amener les gens heureux et en vie. Alors, ENSA, École Nationale de Ski et d'Alpinisme, qui est ici basée à Chamonix, qui forme les moniteurs de ski français. Donc l'opposition, Christian Allégé, évidemment, son beau-père, contrairement à la technique du Steinbogen autrichien. Ça, c'est mon ami. Alors, je vais continuer avec toi avant d'attaquer avec Thierry, de poursuivre avec Thierry. L'Olympisme pour toi, les 100 ans aujourd'hui, ça représente quoi ? Mondialement, c'est ce qui est le plus fort pour le sport en général, et puis surtout pour la façon de devenir un homme, un champion. Enfin, c'est essentiel. Il n'y a pas de doute que l'Olympisme... Alors celui qui est seulement champion du monde 3 ou 4 fois et qui n'est pas médaille olympique, il est toujours un petit peu privé. Parce que médaille d'or olympique, c'est le mieux, quoi, évidemment. Ça a été un gros discours de ton beau-père, évidemment, hein, Jam, qui se retrouvait deuxième à Saint-Moritz en 48 derrière Émile Allais et qui aurait dû gagner beaucoup de titres olympiques. Malheureusement, Jam n'est pas arrivé, mais c'était le grand champion. Et en plus, 100 ans, Chamonix, l'histoire d'ici, oui. C'est particulier. C'est particulier, puis c'est lié aussi beaucoup avec la montagne, l'alpinisme, bien sûr. Parce que quand on voit les reportages, les films, les images de ces années 20, 24, mon père était skieur aussi, il était guide et moniteur. Et avec le matériel qu'ils avaient, mais c'est considérable, les efforts qu'ils faisaient, on disait tout à l'heure, et pourtant ils ne faisaient pas d'entraînement. Oui, mais tous les jours, ils travaillaient tellement de tous les côtés, ils grimpaient, ça valait largement les entraînements. N'empêche qu'ils étaient incroyablement costauds et résistants. Et puis ils avaient l'esprit beaucoup plus solidaire entre eux. Ils s'entraidaient sans arrêt. C'était une bagarre très très amicale. Et ça, c'est quand même une chose qui a probablement disparu. Quoique, on voit des équipes, parfois. On vient de voir le biathlon, les filles en biathlon, les Françaises, elles sont extraordinaires. Elles vont très très vite. On voit le géant aujourd'hui avec Odermatt et Méliard. Bon, ils ont une équipe, les Suisses, extraordinaire. Ils ont l'air de s'entendre à merveille. Et ça, c'est beau. La polyvalence d'époque, c'était des gens qui étaient fermiers, plus ou moins artisans, qui étaient capables de faire du saut, qui étaient capables de faire évidemment du télémarque, évidemment du ski de fond, de la descente. Oui, toutes les formes de déplacement possibles sur la neige. Et puis, bien sûr, pour en revenir un petit peu vers moi, descendre les pentes les plus raides, c'est-à-dire une forme d'alpinisme avec les skis. Et oui, oui, qu'ont beaucoup fait les Autrichiens d'ailleurs, dans leur formation. Ouais. À côté, alors un monsieur que peu de gens connaissent. Alors, si vous allez vers Valorcine, tu sais, tu passes là-bas, hop, on monte le col des montées, on bascule derrière le comptoir des légendes, c'est ça Thierry. Le comptoir des légendes du ski, oui. Ouais, du ski, j'allais pas parler de la pétanque ni du baby-foot, mais du ski. C'est un rassemblement qui est né il y a maintenant 9 ans et qui est parti d'un rassemblement de se passionner de ski. On était assez peu nombreux au début. Et puis d'année en année, ça a pris et maintenant on commence à avoir
avoir une belle équipe qui chaque année entretient cet événement, quoi. Et donc c'est un rassemblement autour du ski sous toutes ses formes, mais plutôt à l'ancienne. D'époque donc, hein. D'époque. Il y a des collectionneurs, il y a des connaisseurs. Autour de cet événement qui a lieu sur un week-end complet, on organise maintenant, puisqu'on a monté une association qui s'appelle Skieurs dans l'âme, on organise donc des soirées thématiques sur justement des pages d'histoire, l'histoire du ski, l'histoire ski-montagne, voilà. Et donc ça, ces soirées, on les fait hors les murs de Valorcine, on le fait sur Chamonix ou ailleurs. Enfin, c'est juste le début, donc ça... On en a fait 3, on va continuer avec une 4e cette année. Puis chaque année, on va essayer d'en faire au moins 2. Ça demande beaucoup de préparation. Effectivement, le week-end, c'est basé principalement sur de l'amusement, quoi. Autant là, sur les soirées, c'est toujours sympathique et tout, mais il doit y avoir vraiment un fond de contenu avec des spécialistes qui sont là et qui témoignent d'une époque qui n'existe plus, mais avec justesse, avec beaucoup d'âme, quoi. Voilà. Disons, 1924, tu es allé chercher où celle-là ? 1924, alors celui-ci, il est tout neuf, hein, personne ne l'a jamais porté. Oui, c'est une pièce de collection très rare. En fait, non, c'est une réédition. Il y a des objets qu'on n'arrive pas vraiment à trouver quand on est collectionneur, parce qu'ils n'existent plus, ou voilà. Encore que j'en ai vu un ce soir, un vrai, et ça m'a assez ému, quoi. Là, on fait des petites retouches, quoi. On personnalise la chose au maximum dans la vérité de l'objet du départ, quoi. Donc, alors je reviens à la question, la même que pour Anselme, le rapport avec l'olympisme, le rapport du centenaire de la première édition en 1924, pour toi ? Ah, pour moi, je pense que les valeurs de l'olympisme telles qu'elles étaient au départ, elles sont toujours. Et c'est, je pense, qu'on recherche quand on réfléchit à ce qui s'est passé en 1924. Chacun essaye de se faire le petit film parce qu'on n'y était pas. Je pense que la valeur essentielle, c'est la valeur de partage et d'amusement, enfin de distraction en tout cas, parce que il me semble qu'au départ, le ski était réellement, ça l'est toujours, mais même à un haut niveau de compétition, était réellement de l'amusement et un jeu, puisque la vie était dure et les gens se distrayaient avec des loisirs qui étaient le ski ou enfin toute forme de glisse d'ailleurs, parce qu'il n'y avait pas que le ski. Parce que c'est fondamentalement joyeux et de faire du ski en fait. Et donc ça, c'est une valeur qui pour moi, traverse les âges, puisque aujourd'hui, même à haut niveau, je pense que cette notion de plaisir existe, doit exister. Il n'y a pas de grand champion sans plaisir, c'est impossible. Est-ce que vous ne croyez pas, messieurs, que l'évolution de la société moderne, à l'époque, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas tout ça, et que c'était l'une des raisons pour lesquelles aussi tous nos anciens, tous nos parents, tous les gens qui nous ont fait rêver, n'avaient pas d'autre option non plus. Exactement, et c'est un peu triste quand, bon, on ne veut pas être trop pessimiste, mais tous les jeunes, les gamins qui regardent leurs plaquettes, leur petite boîte là tous les jours, et qui pensent tout savoir, mais qui ne sont rien. Thierry ? Oui, non, je pense que tout est conciliable en fait, hein, mais c'est vrai que quand on revient sur ces valeurs de l'olympisme et du début des sports d'hiver, c'est ce que je garde, c'est cette notion de distraction, de plaisir rare que le ski procure, puisque c'est finalement quelque chose de très simple. Il n'y a aucun effet mécanique, il y a juste le fait de glisser sur des planches en bois et d'être attiré par le vide et de se faire plaisir avec ça, quoi. En liaison directe avec la nature, avec les éléments, avec bien sûr les différentes qualités de neige, de relief, etc. Et c'était en relation directe. Alors que maintenant, c'est un petit peu délicat parce qu'il y a beaucoup d'artifices qui apportent beaucoup de choses, évidemment, pour tout ce qui est médecine et tout. Malheureusement, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on passe très vite parce qu'on a l'impression qu'on connaît tout. Il n'y a rien. Le plaisir qu'on a finalement, parce que moi je me pose des questions sur cette histoire de rechausser des vieux skis, de retrouver des sensations d'un moment qui est disparu.
C'est de la nostalgie, c'est quoi exactement? Moi je pense que c'est une manière, parce que je l'ai analysé comme ça, de se débarrasser de toute la technologie qu'on a aujourd'hui pour revenir sur l'essentiel, ce plaisir de juste simplement glisser, s'amuser. Et c'est en fait ce qu'on recherche au comptoir des légendes par exemple, et que je pense qu'on trouve quoi. Et c'est ça qui est intéressant. Et j'ai à chaque fois le même plaisir, en fait. Ça ne m'empêche pas de trouver que le matériel qu'on nous propose aujourd'hui est sensationnel et de se faire plaisir avec. Mais quand on débarrasse de tout, comme ça, on revient et on voit pas de car, et ben, en fait, et le plaisir est identique. Quoi. Voilà. Moi, je conclurai sur le fait que je crois que les trois, on serait, à mon avis, d'accord là-dessus, c'est que c'était surtout le plaisir de la montagne. Oui. Le plaisir de la montagne avant tout. Milieu extraordinaire, notamment à Chamonix, où c'est un endroit unique au monde. J'ai fait beaucoup de ski un peu partout dans le monde. Mais Chamonix, c'est unique au monde, il n'y a pas de doute. On a dans au Pakistan des montagnes extraordinairement hautes et pointues, au Népal pareil. Mais une concentration telle qu'à Chamonix de glaciers, il y en a encore quand même, et d'aiguilles, de pointes, et surtout avec des accès facilités par les télés, grâce au modernisme, bien sûr. Mais c'est assez unique, on a de la chance. C'est vrai. Bon. Ben, je crois qu'on va conclure là-dessus, en tout cas. Hein, on est content de voir les pionniers, là. Les images des pionniers, quand même. Hein. C'est beau. Ouais, les pionniers, ouais. C'est important. C'est important. Voilà, en tout cas, un petit moment passé avec nos amis. Les purs et durs.